Bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le 9e épisode de Final Fantasy VII Remake. Donc allez, dans cet épisode, il va falloir se défendre face à des créatures qui vont nous attaquer par surprise. Donc allez, c'est parti. C'est parti pour ce 9e épisode de Final Fantasy VII Remake. Donc allez, let's go, continue. Donc on vient de battre le fameux rocher. Le mec avec sa moto. Donc on va pouvoir continuer. Allez. Toujours avec Cloud. Ah. Faut attention de ne pas se faire voir. N'empêche, je pensais pas qu'on tomberait sur la faction principale. Okay. C'était un hasard? Ouais, et ça nous arrange pas. Ce quartier est fermé pour des raisons de sécurité. Les civils sont priés de rester chez eux. Comme si on Merci de bien vouloir retourner chez vous rapidement. Il me semble avoir entendu le mot attaque. On entend les gens en fond. Allez, accélérer. Ah, ok, on est dans les habitations là. Ok. Hey, venez par là. On sera plus tranquille. Mais où est-ce qu'on va là? Tu verras bien. Je vais pas te gâcher la surprise. Ok. J'ai réussi à mettre la main sur mes explosifs. Avec ça, la prochaine mission devrait se dérouler nickel. Ouais. Espérons. J'espère que ton père pourra guérir rapidement. Hey, chut, parle pas de ça. Quoi? Cloud disait qu'il aurait bien aimé manger de la pizza lui aussi. Hein? Vous êtes bizarres, les gars. Pas du tout. Hein, que t'avais envie de manger de la pizza? Oui. Dans ce cas, c'est moi qui me mettrai au fourneau la prochaine fois. Ce serait super! Ouais, super génial! Ok. Ça doit être par ici. Voilà. Mon père m'en avait parlé, mais je dois avouer que j'avais quelques doutes. Je suis soulagée de voir qu'ils sont là. Des parachutes? Hein? Tout reposer là-dessus alors que t'en étais pas sûr? Oh, ça vaut le coup de tenter quand il y a une chance sur deux. J'ai hâte de sauter! Les gars, merci pour le coup de main. J'y serais jamais arrivé sans vous. N'oubliez pas, tant qu'on n'aura pas fini la mission, Barrett et Tifa doivent rien savoir de tout ça. Je veux pas qu'ils s'inquiètent, c'est assez dur comme ça. Ouais. Allez, on s'envole. Cui-cui. Cloud, ramène Wedge chez lui. Ok. Ah, j'ai failli oublier un truc. Cloud! Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tu veux nous faire tomber ou quoi? Et c'est toi qui dis ça! Pour le reste de ta paye, passe me voir chez moi quand on sera rentré. Non mais... Attends, je suis pas prêt! Tant pis. 30 secondes! Allez, sois un frère! Non, on n'a pas que ça à faire. Aider un peu plus. Je suis trop maladroit. T'en as fait assez. T'as failli prendre une balle pour nous. Tu peux en être fier. Ouais. Là, y a pas à dire. On assure grave. En ce moment, c'est vrai, ouais. C'est grâce à lui, tout ça. Ouais. Tant qu'on est ensemble, on est capable de tout. Ok, bon, ça vole en parachute. Très cool. T'inquiète, je peux très bien en
peu chaud aux fesses, c'est tout. C'est bon, je vais te raccompagner. T'es gentil. Arrête de couiner. C'est par ici. Tu crois que Jesse et Biggs sont déjà rentrés? Je sais pas. Tu veux bien qu'on passe voir chez eux? Eh, c'est sur notre chemin. Ok. Allez, c'est parti, on va aller voir Jesse et Biggs. Voir s'ils sont bien rentrés. C'est vraiment calme ce soir. Ah, c'est stylé la nuit aussi. Ouais. C'est ici, chez Biggs. On dirait bien qu'il n'est pas encore rentré. Apparemment. Il doit encore être en pleine réflexion. Il fait toujours le point après chaque mission. Il cogite tellement qu'il en a de la fièvre, parfois. J'aurais pas cru. Ça m'inquiète un peu quand même. Mais bon, allons voir chez Jesse, maintenant. Allez. On continue. On va voir si chez Jesse. Bon, c'est bien arrivé. C'est ici qu'habite Jesse. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Elle vit en coloc avec d'autres aspirantes actrices. Va pas essayer de t'introduire en douce, surtout. T'inquiète. Et au cas où, il faut que je te prévienne. Elles adorent toutes les ragots. Elles sont pas au courant pour Avalanche? Non, ça va. Jesse est bonne actrice. Ah, encore un petit conseil. Tu devrais pas trop la prendre au sérieux, tu sais. De quoi tu parles? Mais bon, toutes les femmes sont des comédiennes. Ok. Puisque je te dis que c'est interdit aux hommes. Ah. Désolé, je croyais qu'il fallait aller chez Jesse. Je vais chercher du boulot dans le secteur 5. Il va nous amener où là? Chez lui? Du calme, Flo Flo, Giba, Patty. Venez faire coucou. Aujourd'hui, c'est eux trois qui montent la garde. J'y vais. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie, et soigne-toi bien. Ok, mon frère, c'est gentil. Si tu pouvais éviter de m'appeler comme... N'ayez pas peur, tout va bien. Il est gentil, vous verrez. Comme un frère. Voilà, voilà, c'est bien. C'est les chats à papa, ça. Ok. Bon, il faut aller où là? Pour rentrer chez nous, je pense. Ah oui. Et oui, il faut aller voir Jesse. Te voilà enfin, Cloud. Je me disais bien que t'allais pas tarder. Alors, tiens, c'est ça. Tu l'as bien mérité, monsieur le mercenaire. Et attends un peu, ça n'est pas fini. D'accord, super. Tu veux bien me lâcher? Bon, alors, tu repasses me voir demain soir. Je serai toute seule. Mes collègues seront pas là. Franchement, je vois pas ce que t'attends de moi. Bon, allez, lâche-moi, s'il te plaît. Et si je te lâche? Tu viens? Je t'attends demain soir. Allez, on est gentil, on est gentil. Bon, d'accord. Je vais y réfléchir. Génial! Bon, je vais préparer une pizza dont j'ai le secret. J'y mets Marquet, Luché, des mille noirs et de la cachérie. T'aimeras? Je sais pas, j'y connais rien. Tu sais que t'es trop craquant, toi. T'inquiète, ce sera bon, tu peux me faire confiance. Faites vos rêves! Mais pas trop. Elle est tarée, cette Jessie. Elle est vraiment tarée. Bon, allez. Allez, on continue. On va aller sûrement chez nous, je pense, maintenant. Aller dormir. Ce qui nous attend... Ah non, demain... Et non, c'est vrai qu'ils ont pas voulu qu'on fasse la mission avec eux le lendemain. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on va faire. Déjà, on a aidé Jessie. C'est cool. Non. Allez, let's go, petit dodo.
Ouais, dans l'arche cadavre. Faire un bon petit somme. Ouais. Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Mmh. Ah, ouais, je vois. Mais toi, Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu? J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Les problèmes que je m'étais imaginé à l'époque n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais... je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre? Mmh, c'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter. Mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Bonne nuit, Tifa. Magnifique. Oula, qu'est-ce qui se passe? On allait partir pour la mission, mais ces créatures nous ont attaqués. Et les autres? Barret et Jessie sont en train de se battre, mais là, je sais pas s'ils vont venir. On va les rejoindre. Ok. T'es prête? Quand tu veux. Ok, c'est parti. Alors déjà... ok, bon, pour l'instant on peut pas. Ok, attention. Compétences analysées, hop. Immunité... ouais. Ils ont pas vraiment de faiblesse en vrai. Pas vraiment de faiblesse. Ok. Ok. Allez. Ok. Pic d'ombre. Sort feu. On va faire des sorts contre eux. Qu'est-ce que ça donne? Sort glace. Allez. Ok. Allez. Ok. Non, on va faire un sort encore. Ah. Et dégage. Ok. Sort feu.
Ah. Allez. Allez, dégage. Je sais pas trop. Ils deviennent visibles quand on les touche. Mais à part ça. Même les soldats ne savent pas. Oh là. On n'a pas vraiment le temps. Il y a un autre chemin. Par là. Ok. Allez, faut suivre Tifa. Je sais pas trop ce que c'est ce truc. C'est un véritable déluge. Te laisse pas emporter. T'inquiète, je te suis. Allez. Allez. Il y en a un paquet. Hein. On sait pas trop ce que c'est ces trucs là, mais. On verra. On va bien le savoir un jour, hein. Bien sûr. Oui. Voilà. Ok. Merci, Cloud. Oui. Allez. Allez. On ne craint rien, lui. Ok. Allez. Ok, bon, c'est bon. Sans moi. Ok. Ensuite. Vas-y. Ok, non, je prends ça. Éteinte. Rien qui m'a pris. Ce triangle permet à Tifa d'exécuter une attaque puissante différente en fonction du nombre de degrés cumulés d'enseignement secret. Ok. Ok, bon. Non, ça va. Là. Lui est bientôt mort. Ok. Et sort feu, sort glace, et immobilisation encore. Et ok. Il est où? Pas lui. Ah, c'est lui. Allez. D'accord. Ok. Dégage. Sort feu. Sort glace. Et ok. Sort feu. Sort soin. Ok. Ok, donc là, il sort à rien. Allez.
Ah. Et... Ok. Allez. Allez. Ok. Alors on peut lui faire la transcendance. Allez. Magnifique. Gênant. J'arrête pas de t'obliger à venir à mon secours. T'en fais pas. Hein? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? T'as pas trop mal? Pas de quoi paniquer. Je sens presque rien. Quand même, il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je peux pas. Oh. Oh. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein? Comment on va faire pour la mission? Biggs s'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant? Je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Dis-moi... Tu serais prêt à partir maintenant? Oui, mais prévois un bonus. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission. Je compte sur toi pour mettre une belle pagaille. Wedge, tu vas t'occuper de Marlène et Jesse. Hein? Mais je suis en pleine forme, moi! Y'a qu'à toi que je peux demander ça. Prends bien soin d'elle. Bon, c'est reparti pour un tour. On va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté et on se retrouve à la gare. Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant. Je compte sur toi, monsieur le soldat. Ok, donc on a été engagé par Barrett pour la mission. Bon ben, allons-y. Tifa, détends-toi un peu. Hein? Je sens que t'es stressée. Ça va, merci. Allez, je suis prête. L'équipement des personnages absents du groupe peut également être modifié. Il est préférable de réattribuer leur matériel, accessoires ou autre en fonction des situations. Ok. Donc là, je suis tout seul. Ah non, je suis avec Tifa, ok. Tifa. Quoi d'intéressant, Tifa? Ok. Ok.
Ok, bon, c'est bon, on peut continuer. Il y a un rapport de combat, il y a encore des trucs à faire. Hein. Il y a pas mal de choses à faire encore. Donc allez, on continue. C'est parti. Allons voir Barrett pour commencer la mission. On ne sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs. On ne sait pas trop ce que c'est comme mission, on verra. En tout cas, on a été engagé après la blessure de Jesse. C'est fait mal à la cheville, je pense que c'est la cheville. Donc allez, c'est parti. Big, c'est déjà en mission. Cloud, vos capacités sont bien supérieures à tout ce que j'avais estimé. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Oui. Acheter des trucs. Vend. Combien de guilds, moi? À 4239. Est-ce que je prends vent? Vas-y, on va en prendre. On va le prendre. Si jamais. Initialiser les armes, ok. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Oui, ne t'inquiète pas. Allez, let's go. Barrett est ici. Bon. On commencera la mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère. Bien sûr. Biggs, j'espère qu'il s'en sort là-haut. Faut qu'on se dépêche d'aller le rejoindre. Et un autre jour, ça marcherait pas? La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont impliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils n'arrêtent pas les réacteurs, on leur fait sauter un aujourd'hui. C'est leur faute qu'ils assument. Restez tranquille. Eh ben dis donc, y a pas grand monde. La nouvelle s'est répandue, et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévu. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux restez ici. Ok. On va avancer. Cloud. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. C'est la première zone de contrôle. Ça devrait aller, non? Je sais bien qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais ça m'angoisse quand même. Oh là là, angoissé. Un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Barrett, tu sais,
Il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud, tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Ok. Donc allez, on va aller voir si Barrett... pas le bordel. Oh non, il a l'air d'être calme, le Barrett. Et maintenant, vous continuez à les soutenir. Il y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. Hein? À cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? S'il y a un problème, je vais te dire un truc. Non, ça va. Ah, la fameuse musique. Oh, petite matériel. Hein. Oh. Matériel soin, ok. Hey, arrête de te balader. Ok. Vous n'avez rien à redire, pas vrai? Où est Tifa? Tu ferais mieux de pas la laisser seule. Ok. Ouais, mais bon, on s'inquiétait, hein, donc je suis venu te voir, hein, mon petit gars. Allez, allez voir Tifa. Pour la rassurer. Contrôle des identités en cours. Mais pourquoi ça se passe? Contrôle des identités en cours. Carte suspecte détectée. État d'alerte déclenché. Contrôle du dernier wagon imminent. Début du ratissage de sécurité. Oh non! Venez par là! Où se grouille? Cloud, détruis ces appareils. Tu m'en occupes. Oula. Allez. Allez. Vers l'avant du train. Non. Analyser. Ça craint l'éclair et le vent. Moi j'ai pas de la matière avant, mais je l'ai pas activé, donc forcément. Allez. Allez. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous serez plus en sécurité là-bas. Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On va protéger tout le monde. S'il vous plaît. Dans ce cas, je m'occupe de ce wagon. À mon tour. Au plan E de Biggs.
raté. Ok, j'y vais. Allez, vous voulez finir? Allez. Ok, ça fait un moins. Ils sont pas très compliqués. Un choc. Ok. Ok. Magnifique. Vas-y, on va rejoindre Barrett. Je vais faire des épisodes un peu plus longs maintenant. C'est pas mal. Je t'en prie. C'est là ? Non, c'est pas là. Piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien, à vos ordres. Le salopio. Bon, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Final Fantasy VII Remake. Allez, peace, prenez soin de vous.